J'ai 50 000 euros à placer, j'hésite entre alimenter un vieux contrat à vie ou en ouvrir un nouveau. Qu'en pensez-vous ? Vous avez 50 000 euros à placer et vous nous interrogez pour savoir si vous devez alimenter un vieux contrat d'assurance vie ou en ouvrir un nouveau. Il est très difficile de donner une réponse générale à une question aussi large. Ce qu'on peut dire, c'est que vous devez alimenter vos vieux contrats s'ils répondent à vos besoins en termes de liquidité, de fiscalité, de performance et de risque. Beaucoup d'épargnants préfèrent alimenter des vieux contrats d'assurance vie parce qu'ils profitent d'avantages fiscaux. C'est vrai, mais attention, les vieux contrats sont souvent des monosupports en euros. Vous n'avez pas la possibilité de diversifier votre épargne, notamment en bourse. Ensuite, sur le plan technique, ils sont relativement souples et ils n'offrent pas, par exemple, la possibilité de mettre en place des retraits programmés. Ancien contrat ou nouveau contrat, on peut conclure qu'il faut toujours diversifier ses placements et ne pas mettre ses œufs dans le même panier.